Onde está o 24? Toi qui nous fais, toi qui es là avec nous, dans l'école du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons parler de la famille. Famille, donc, nous allons traiter un sujet qui concerne la famille. Donc, nous allons parler des besoins physiques des enfants. Donc, des besoins pour les enfants. Donc, Nous prenons prenons la Bible sur le livre de 1 Timothée, comme je suis déjà, 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Je le lis vite, 1 Timothée chapitre 5, verset 8. La Bible dit ceci: si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Si quelqu'un n'a pas soin de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Bien-aimés, sœurs, en tant que parents, Dieu veut que nous prenions soin de nos enfants. Dieu veut que nous puissions prendre soin de nos enfants en tant que des parents. Nous devons veiller à leur nourriture, que les enfants puissent manger la nourriture convenable. Nous devons veiller à leurs habits, que les enfants doivent porter des vêtements normaux et veiller à toute autre chose qui concerne leur vie en tant que des parents. En parlant de la nourriture, en tant que parent, tu dois t'assurer que tes enfants puissent bien manger. Que tes enfants doivent bien manger. Et manger la nourriture qu'il faut pour une bonne croissance. Peu importe les moyens que tu as. Peu importe ton revenu. Peu importe le peu que tu peux en avoir. Il y a de la nourriture. Il y a de la nourriture convenable. Il y a de la nourriture qui fera que tes enfants puissent avoir une bonne croissance. Vous avez des légumes à de plus bas prix. Vous avez des poissons, vous avez des riz, vous avez des haricots, vous avez toutes sortes de nourritures. Pousser les enfants à bien manger. Ça aide pour leur croissance. Et ça affermit aussi leurs muscles. Est-ce que vous comprenez? Donc veillez à ce que les enfants ne prennent pas trop des petites choses, comme on dit, des biscuits, des bonbons, des chocolats, toutes ces choses-là. Car ce n'est pas ça la nourriture. Ils peuvent en prendre occasionnellement, de temps en temps. Mais pas prendre ça trop et ne pas avoir la place pour la bonne nourriture. Si ton enfant ne mange pas, tu dois chercher un médecin pour lui donner des vitamines qui va l'aider à manger. S'il y a des nourritures que tes enfants n'aiment pas manger, tu dois essayer de les préparer d'une autre manière qu'ils peuvent peut-être manger. Tu dois changer la même nourriture, mettre fof, préparer ça dans une autre manière. Est-ce que vous comprenez? Prenons maintenant les habits. Tes enfants doivent avoir des habits pour différents types de saisons. Surtout pour les gens qui vivent dans des pays, comme on dit, occidentaux, Europe, Amérique, tout ça.
Mais pour ceux, pour vous qui vivent en Afrique, en Asie ou dans les îles, vous devez faire de sorte que vos, avis, vos enfants puissent avoir des habits de différents types de saisons. Chauffe, les habits chauds, les habits froids, des vêtements pour sortir et des vêtements qui peuvent rester avec à la maison. Est-ce que vous comprenez? Car on voit aujourd'hui dans le monde, il y a des parents qui s'habillent avec des vêtements de luxe pendant que leurs enfants n'ont pas des habits pour sortir même. Ça veut dire que les parents prennent bien soin de leurs propres vêtements. Mais s'en foutent la vie de leurs enfants, du côté de vêtements. Peut-être il y a des parents qui ont peut-être, si on peut dire, souffert dans leur enfance. Et comme dit les bénis maintenant, ils gaspillent beaucoup de... beaucoup d'argent aussi dans les vêtements, chose qui n'est pas bien. Vous devez avoir pour les enfants, pour vos enfants, des habits normaux. Un enfant, les habits de luxe, ça va servir à rien du tout. Car c'est un enfant. Vous devez veiller aussi à leurs vêtements, surtout les jeunes. Les jeunes 18, 20, 25 ans, ça peut dire 15 ans, tout ça. 18, 20 ans. Veillez à leurs vêtements. Ne laissez pas vos enfants porter des vêtements à désordre. Des vêtements qui exposent leur corps. Surtout les jeunes filles, voire même les jeunes garçons qui exposent leur corps. Les amis et les parents qui affectent aussi les enfants. Il y a des enfants, il y a des parents qui affectent leurs enfants par leur manière de s'habiller. Voire même il y a des enfants qui ont honte de leurs parents. Juste parce que vous, en tant que parents, vous portez des vêtements qui exposent tout votre corps. On voit vos parties du corps exposer des vêtements transparents, chose qui n'est pas bien. Il y a des enfants qui ont honte de leurs parents pour ce genre de vêtements. Mais un enfant, des fois, ne peut pas te dire, mais il ne peut pas te dire pourquoi, parce qu'il a peur. Mais au fond de l'enfant, il a honte. Quand il voit que son parent, soit sa mère ou son père, expose son corps des vêtements qui laissent tout le corps, je sais pas, on peut dire, qui expose le corps, quoi. Nous, les parents, nous devons être des modèles pour nos enfants. Maintenant, pour ce qui est de la propriété aussi, si aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont sales, c'est simplement parce que les parents ne veulent pas leur apprendre la propriété. Vous devez apprendre la propriété à vos enfants. Parce, soit les parents en question eux-mêmes ne sont pas propres. Et quand eux-mêmes tu n'es pas propre, ça sera difficile aussi pour que tu puisses montrer la propriété à une personne, même à tes propres enfants. Donc si beaucoup de enfants aujourd'hui sont sales, parce que soit leurs parents ne leur montrent pas la propriété, ou les parents en question eux-mêmes sont sales. Tu dois montrer à tes enfants, sorry, comment arranger leurs vêtements. Comment arranger toute chose. S'il a une chambre, comment arranger sa chambre. Que toutes choses doivent être à sa place. Comment prendre sa douche. Tu dois surveiller tes enfants tous les jours. Surveiller leur propriété tous les jours. Jusqu'à ce que les bonnes manières
puissent devenir des habitudes. Que les bonnes manières doivent devenir habitudes. Que la propreté doive rentrer dans la vie de tes enfants. Est-ce que vous comprenez? Aidez-les aussi pour leurs choix. Aidez-les aussi pour les choix dans leurs études. Aidez les enfants aussi dans leurs études. Qu'ils puissent faire de bons choix pour leur avenir. Leur vie de prière aussi. Que tu dois avoir aussi un moment de prière avec tes enfants. Parce que la prière, ce n'est pas dans les bâtiments, dans les églises locales. Dans les églises locales, les gens viennent pour apprendre comment vivre, comment prier. Mais la vie des prières doit être faite chez toi à la maison, avec tes enfants. Aider tes enfants aussi à bien utiliser leur argent. S'ils arrivent à avoir de l'argent. Que Dieu te bénisse. Nous allons continuer avec ce sujet. Donc, nous allons continuer dans ce sujet de la vie de famille. Parler des enfants, parler des parents, comment vivre.